Allez Igor. Allez Antoine, lève encore, c'est bien là. C'est bon là. C'est pas la contre à Romain. Hein. Elle mange, hein, mange, hein. Allez, on va les suivre. Pourquoi? Ça se trouve, on va finir derrière. Hein. Comme ça, on sera bien. Il n'y a personne, hein. C'est tellement large que les écarts, ils sont tellement. On va pas se mettre intercalé entre les deux pour pas les favoriser leur rentrée. Mais elle monte longtemps, hein, celle-là. C'est pas évident qu'il rentre avec le grappeur. Ça dépend à la bascule, par contre, qu'il rentre avant la bascule sinon. Ouais, quoi qu'ils ont repris du champ. Parce que devant, ça va sans doute accélérer pour faire le grappeur. Bonjour, vous avez quel numéro de voiture Subaru? Non, je suis pas. Non, je sais. J'attends le haut. Il rentre en bas. Enfin, pas là en tout cas. Si ça bascule et qu'il rentre pas, c'est mort. Regarde le gars de Château, là, tout à l'heure il menait, là il est en train de craquer. Il a fait l'effort pour essayer de rentrer. Ils les ont devant, mais ils vont laisser du jus, je pense. Rentrer.
dans la descente, ça peut rentrer. Antoine, allez, bon. Mange, hein. Des concurrents distancés sur cette épreuve, on va les retrouver sur le final à 3 tours de la ligne, encore 3 circuits donc de 16 km, 3 fois 16 km encore à couvrir. On a encore le temps de voir des revirement de situation, en tout cas il faut rester groupé dans le contre actuellement, le peloton qui est, évolue avec un retard. Voilà Brendan qui est peut-être le coureur le plus en forme dans cette échappée devant Paul Sewell. Actuellement donc sur cette épreuve. Allez Antoine, allez mon grand, c'est bien, hein. Mange, hein. Le coureur donc de Jean-Gilier, le coureur d'Argenteuil, Antoine Roche, semble-t-il, et voilà le groupe qui passe avec près de 2 minutes de retard. Et sur le retard pour le groupe, donc on montre le temps, 2 minutes, 2 minutes de retard, messieurs, 2 minutes. Allez les gars, allez les gars. Voilà,
Laurel Bocage, la victoire pour Paul Sehouin, quelle victoire! Ça, c'est vrai que c'est mérité pour Paul et on peut le saluer une nouvelle fois sur cette arrivée. Victoire pour Paul Sehouin! Brendan, on va l'accueillir dans quelques instants. Il mérite également tous vos applaudissements car il a simplement été dépassé dans les tout derniers mètres de cette. S'incliner face à la force de Paul Sehouin, on peut l'applaudir quand même s'il vous plaît. Brendan qui en termine, bravo Brendan et pas de déception pour toi, c'est vraiment une belle course que tu as effectuée pour cette épreuve de deuxième catégorie. Voilà Brendan. Actuellement avec le travail d'Antoine Roche, mais derrière regardez le coureur de province qui est en train de revenir avec la troisième place pour le CC Formé. 3-0-6. Voilà, bravo messieurs sur cette arrivée, quel finish pour tous ces concurrents, bravo messieurs. Donc actuellement dans les tout derniers mètres de course, le top 10 également qui est en train de se dessiner avec les arrivées et une nouvelle fois le maillot. Donc du CC Formule 1 qui passe sur la ligne d'arrivée. Bravo, bravo, les gars.